Je pense que dans l'histoire des femmes battantes pour l'indépendance du continent, cette femme, c'est l'une de mes préférées, sincèrement. Déjà parce qu'il y a beaucoup de documents qui corroborent son histoire, mais parce qu'elle a usé de tous les moyens disponibles pour pouvoir atteindre ses fins. Je vous raconte, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Hadja Mafori Bangoura est née vers 1910 à Wankifong dans l'actuelle Guinée. Elle s'installe à Conakry où elle se marie et elle a 3 enfants. Mais l'histoire de cette femme ne se limite pas seulement à un mariage et à des enfants. Il faut rappeler qu'à cette époque, la Guinée faisait partie de l'Afrique occidentale française qui comprenait 8 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et j'en passe. Et donc, à cette époque, la Guinée se battait âprement pour avoir son indépendance. Et qui dit lutte d'indépendance pour la Guinée, on pense directement à un homme, Sékou Touré. Et Sékou Touré a, en 1953, décrété une grève générale dans pratiquement toutes les colonies françaises de cette région-là. Et cette grève-là devait durer pratiquement 72 jours. La grève sera un franc succès. Hadja aura un rôle parce qu'elle va haranguer les foules, elle sera au fou et au moulin. Et donc, quand cette grève-là connaît un franc succès, elle est nommée dans le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Elle va, lors des nombreuses manifestations, dire aux femmes, dire aux femmes de faire la grève du sexe pour inciter leurs hommes réticents à rejoindre le mouvement. Et papa? Pire encore, elle va dire aux femmes que si leurs hommes ne rejoignent pas le mouvement, qu'elle le quitte. Ferme-moi. Beaucoup de femmes ont suivi son mot d'ordre, hein. Pas sur la partie rupture de la relation, mais sur la partie grève de sexe. C'est pour ça que je dis qu'elle a usé de tous les moyens. En plus de cela, elle incitait les femmes à vendre leurs bijoux pour pouvoir soutenir le parti. Beaucoup de femmes ont suivi le mouvement, donc Hadja était partout, dans les manifestations, dans les rassemblements, elle était vraiment en première ligne. Et ce qui m'a le plus impressionné dans son histoire, c'est qu'arrivé à ce moment, elle s'est rendue compte que lors des rassemblements, les forces françaises usaient de la force, de la violence pour tabasser les femmes, pour tabasser les hommes qui venaient manifester. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à entraîner les femmes au maniement des armes. Rien que ça. Bien évidemment, vous l'avez deviné, ces actions ne plaisaient pas forcément aux forces françaises. Et elles ont fait croire que Hadja aurait partagé des documents anti-français à des prisonniers. Donc elle s'est faite arrêter, on lui a mis une forte amende et une peine de prison. Dès cet instant, les femmes sont sorties nombreuses dans les rues pour manifester, ce qui a fait que Hadja a fait seulement 1 mois de prison. À sa sortie de prison, elle a été conduite chez elle par une foule immense qui la célébrait. Dès 1958, la Guinée accède à son indépendance. Sékou Touré devient le premier président de la Guinée. Hadja va occuper beaucoup de postes dans le gouvernement, beaucoup de postes reliés aux femmes. De 1970 à 1976, elle sera ministre des Affaires sociales, mais elle va tomber malade. Elle ira se faire soigner à Bucarest en Roumanie où elle mourra en 1976. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que cette femme, c'est un réel, c'est une boule d'énergie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. J'ai une page YouTube. Si vous avez un petit temps, allez la voir. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.